ça va nous donner envie de jouer encore davantage. Alors, je vous présente le président Christian Garros. Christian Garros, c'était un batteur de jazz assez coté en France et en Europe. Il a accompagné Miles Davis, des grands noms comme ça, Tom Wayne aussi. Et il a été le batteur du Jacques Cousquier Trio, vous savez, le pianiste classique qui faisait du bac en jazz. Il en fait toujours avec les mêmes musiciens. Et donc Christian Garros, quand il est arrivé à Rouen, il a fédéré des musiciens de jazz pour former un big band. Il a créé aussi une école, ça date d'il y a 33 ans. Et c'est tout ça pour vous dire que ce big band est un des plus anciens big bands en France, qui subsiste grâce à la niaque que nous avons, à la, au plaisir que nous avons à jouer du jazz et au plaisir du swing. Alors ce soir, on vous propose un programme spécial Quincy Jones. Quincy Jones, c'est un musicien américain qui a joué aux côtés de Miles Davis, qui était un grand arrangeur pour Big Band et qui a eu une carrière absolument fulgurante puisqu'il a su arranger dans plein de styles différents, à tel point qu'il a participé à un des fameux disques thriller producteur de monsieur Michael Jackson. Comme vous le savez sans doute, Quincy Jones est toujours en ligne. Mais les arrangements que nous allons vous interpréter ce soir sont des arrangements qui datent de l'époque où il arrangeait pour l'orchestre de Campbell, c'est-à-dire les années 60. Alors on va commencer par la naissance d'un orchestre qui s'appelle Birds of a Band. Thank you.
Voilà, il faut savoir que tous les arrangements que nous allons vous jouer de Quincy Jones ce soir n'existent pas dans le commerce. Autrement dit, il a fallu dénicher voix de rare capable, à l'oreille, en écoutant les disques de Benny, de trouver les voix du quatrième trompette, les voix du troisième trompette, les voix du premier trompette, les voix du cinquième saxophone, enfin avoir une oreille phénoménale pour arriver à tout entendre et à tout copier pour qu'on puisse les lire. Et c'est toi de voir, ça va être un peu pour lui, c'est du gâteau. Pour lui, c'est un plaisir incroyable. Que c'est très bien écrit, et en plus, ça ressemble vraiment à l'original. Je ne sais pas comment tu fais. Alors maintenant, c'est un morceau que vous connaissez certainement par cœur, puisque ça a fait l'objet d'une reprise par M. Claude Nougaro. Et par Quincy Jones, ça s'intitule For Lena en Lady.
Thank you.
Eh bien, après le beat de Brigitte Bardot, voici Queen.
On est très heureux d'être parmi vous et on est très heureux de jouer dans cette salle parce qu'elle sonne extraordinairement bien. Et c'est rare. Vous avez la chance, je suis heureux d'avoir une belle salle comme ça. Très grande de plateau, et en plus, elle sonne merveilleusement. Il n'y a aucune prétention qui nous gêne, au contraire, la musique est envahie par un acoustique. Et j'étais en train de me dire qu'on aurait dû enregistrer. Et j'en profite pour remercier la municipalité de Gisors, en particulier Marie-Hélène Descours, qui nous accueille, c'est très gentil, ça nous fait bien plaisir, et également le conservatoire de Gisors, bien sûr. Voilà, et bien nous allons continuer par... voilà, c'est un square, n'est-ce pas, autour d'une table tournante, c'est ça? Alors, comme il y a quelqu'un qui est un ancien prof de langue étrangère, en particulier les Américains, n'est-ce pas? Je vais lui demander de prononcer ce titre admirablement. Après, je vous le prononcerai pour que vous compreniez mieux. Can you say this one, please? A square at a round table. Maybe you. Et Mathieu Blandin, au revoir à la musique. Voilà, le suivant, il y a aussi sa petite anecdote sur la prononciation, n'est-ce pas? Tu es où? Mathieu là. Mais on a besoin de toi en permanence, que tu sois assis là. Là. Oui, j'y connais rien en anglais. J'y connais rien en anglais. C'est lui qui suit l'anglais. Oui, mais non, parce que ça s'intitule Jessica Day. Ah, Jessica Day! Oui, parce qu'un jour, tu as eu un anecdote, tu as joué avec Wizzy Jones, c'est ça? Non, j'avais joué avec un de ces musiciens, enfin, jamaïcain un peu fou. Pas parce qu'il était jamaïcain, probablement parce qu'il avait beaucoup trop de jeunes, qu'il avait fumé des substances un peu lubrifiantes et d'autres poudres blanches autres que la farine. Toujours est-il qu'il parlait magnifiquement mal le français. Et un Américain incompréhensible.
Donc, il nous a donné un titre, parce qu'on pouvait bien sûr aussi bien linguistiquement que musicalement. Et maintenant, et après, il nous a dit, maintenant, vous allez prendre cette qualité. Vous avez compris, vous, évidemment, mais nous, musiciens de jazz, on peut angoisser le track, etc. Cette qualité. Qu'est-ce que c'est? C'était le maître d'anniversaire d'une jeune fille qui s'appelle Jessica. Donc en français, ça donne plutôt Jessica Day. Vous êtes bien d'accord avec moi? Oui, oui. Merci, monsieur.
on the trumpet. Je vais vous présenter tous les musiciens. Figure dans ce grand orchestre, n'est-ce pas? Nous allons au trompette, Simon. Laurent Lambin. Notre invité spécial ce soir, Olivier Stéphane. Au trombone, Loïc Théron. Et Morel. Mathieu Blandin. Et au trombone basse, Jean-Marie Penardel. Les saxophones, nous avons le ténor André Morel. À la flûte et à l'alto, Eric Préter. Au premier alto, nous avons Pascal Fréquinet. Au premier ténor, nous avons Frédéric Hogg. Et puis, à l'imposant bariton, nous avons Réfugié. Le chiffre, c'est ça? Oh, du picole, pardon, c'est du picole. C'est un chiffre. Chiffre à toi-même. Au cœur de l'orchestre, nous avons M. Guy Prévost. Pour la petite anecdote, c'est mon cousin Germain, nous jouons ensemble depuis que nous avons des culottes courtes. On ne s'enlève pas, on ne s'enlève pas. Je passe à Bertrand. Alors Bertrand, il a un rôle prépondérant dans l'orchestre, c'est notre soutien grave, c'est le plus costaud des costauds, c'est Bertrand Toulou, dans la cour. Et bien sûr, je n'oublierai pas M. Pascal Touvelin. Non seulement à travailler d'arrache-pied, mais en plus à l'humilité de rester comme ça sur le côté. J'ai honte. Bien, tu mérites l'argent. Voilà, tu vas rester dans ça. Ça me sort de lumière, sinon. Ça va bien passer, ça fait ça. Je voudrais aussi vous présenter quelqu'un qui est parmi nous, qui fait partie de notre équipe, qui est bien précieux, c'est notre sonorisateur Philippe Guichard. Et je remercie, j'en profite pour remercier tout le personnel de la salle et en particulier à la gauche de Philippe Guichard, nous avons l'éclairagiste de la salle de Gisor, la salle des fêtes. Merci beaucoup, vous l'avez vu. Alors, on va vous jouer encore un morceau de Quincy Jones que vous avez certainement dans la tête et vous allez vous demander pourquoi et je vous laisser vous demander dans tout le morceau. Pourquoi on connaît ça? Pourquoi on a ça dans la tête? Six fois.